Eh bien, salut tout le monde, ici Hogan 7218, on se retrouve aujourd'hui sur l'épisode 8 de Knack. Alors, on va voir tout simplement ce qui va nous attendre dans cet épisode. Alors, dans l'épisode précédent, tout simplement, le professeur a pu revoir Charlotte, qui était considérée morte pendant une vingtaine d'années. Alors, il l'a revue, mais malheureusement, le problème, c'est que Charlotte tient avec les ennemis, et c'est elle qui produit carrément tout ce qui est char, avion et tout, aux gobelins. Ce qui fait qu'au final, c'est un peu elle qui provoque la mort de toutes ces personnes, quoi. De tous les humains. Alors, là, on essaie de continuer, je sais pas où, dans la grotte, pour retrouver quelque chose. Alors, on fonce. Hein. Wow, le vent, il est puissant. Ah ouais, il est puissant. Wow. Allez. Allez, tiens. Tiens. Allez, c'est parti. On n'est plus très loin de cette grotte avec la fresque. Tiens, 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 tiens. Bam. Waouh, waouh, waouh. Non. Waouh, c'était chaud là. Waouh, c'était chaud. Non. Putain, c'est pas vrai. Oh, le mec, je l'ai carrément fait exploser contre les rochers rouges. Là. Dernière étape. Oh merde. Ryder, Knack. Tenez bon, Doc. Joli plongeon, Ryder. Je pensais pas que vous réussiriez. Eh bien, quand il faut, il faut. Non? Ça va, Doc? On n'est plus très loin. Allons, fonce. Allons-y. Wow. Bam. Allez, salut, mon gars. On peut pas aller? Ok. Ah si, on peut aller. On peut péter ça. À l'entrée de la grotte. Joli. Ah bah je suis déjà à fond avec les cristaux, je vais pouvoir les utiliser. Allez, bam. Et si t'allais activer l'interrupteur, Mac? Moi, je bouge pas d'ici. Putain, il est loin, hein. T'abuses.
c'est vraiment des merdes. C'est plus très loin, Nak. Wouah! Ah ouais! Ouah, bam! Pas beau tout ça. Ouah. Votre porte est ici. Et voici la vraie clé, juste à côté. Nak, je crois qu'elle ne te ressemble pas vraiment. Ça, c'est sûr. Et derrière cette porte se cache un trésor. Des dizaines de milliers de reliques géantes. Il y a une inscription ici. C'est un avertissement. Ça dit qu'un immense danger nous attend derrière cette porte. Ça parle aussi d'une grande transformation, mais je ne vois pas ce que ça peut vouloir dire. Le reste est effacé. Pas tout à fait ce qu'on espérait, hein. Quelle idée de génie d'avoir mis un micro dans le pendentif du gamin, Katrina. Cette carte indique l'endroit où se trouve la clé. C'est une sorte de labyrinthe. J'ai placé la clé dans un labyrinthe que j'ai conçu moi-même, dans l'espoir que seul un être assez sage pour l'utiliser à bon escient puisse trouver la sortie. Victor, je crois qu'il parle de vous. Oui, mais où est-il? Le labyrinthe se trouverait sous le mont de l'obélisque. Ha! Je me suis toujours demandé ce qu'il y avait là-dessous. Bon, combien de temps il faut pour nous y rendre? Quoi? Vous voulez y aller? Bien sûr! Nous n'avons pas le choix, il faut récupérer cette clé avant Victor. N'aie pas peur, je serai prudent. Oh! Vous serez prudent. Une première. Quand vous avez décidé quelque chose, vous n'en faites qu'à votre tête. Et même si c'est de la folie, personne n'essaie jamais d'arrêter le célèbre docteur. Lucas. Ryder. Vous m'empêcheriez de faire quelque chose de vraiment insensé, n'est-ce pas? Évidemment. Allez, Doc. Prêt à grimper? Presque arrivé. J'ai commencé à chercher un endroit pour se poser en douceur. Trop tard. Ils sont déjà là. C'était pour ça le moteur. Ce truc fait presque 2 km de long. Jack, il faut sécuriser l'entrée. Tu dois sauter. Tu es prêt? Nickel. Allez, on fonce. Attendez. Ah, je croyais qu'on devait aller par là, mais non. Non. Waouh, tout ce qu'il y a. Waouh, putain, il y a de la lave et tout, carrément, bien. C'est beau ici. Le mec il disparaît en fumée, tu sais. Pouh.
Putain, je grossis pas vraiment. Attendez, hein, je sais que c'est par là, mais je faisais le tour pour voir sans savoir il y avait des trucs. Ouah ! Ils sont pas si terribles. Ce qui est dommage, c'est que je suis pas très gros. Waouh, c'est quoi? Une relique d'émeraude carrément. Bande de merde, va! Ah, on peut pas aller. Ça se casse pas, non? C'est jamais. Merde, ça glisse, ça glisse, ça glisse! Wouah! Ah, je me suis fait détruire là. Ah, nickel. Super. Allez, on y va! Oh, joli! Tiens! Ah merde, je fonds! Tu m'étonnes que je suis à côté de la lave. Je fonds. Il me faut de la glace d'urgence. Putain, je suis redevenu un petit machin tout pourri, quoi. Allez, frappe. Je comprends pas. Oh bah tant pis. Comment je les nique, n'empêche d'une allure. Personne ne peut me vaincre. Je me laisse faire ça. Par contre, faudrait peut-être que je me dépêche, je suis en train de fondre. Tiens.
Allez, on fonce. Qui a construit cet endroit? Pas des gardiens, c'est trop récent. Non, c'est le travail d'un humain. Le travail d'un humain, ça. Là, le mec était motivé, hein, à faire cet endroit. Alors, la clé est ici, hein? Oui, au fin fond du labyrinthe. Ah merde, ma batterie est morte. J'espère qu'elle tiendra. Bon, on y est. On dirait qu'ils essaient d'entrer par la force. La finesse, c'est vraiment pas leur truc, hein, Doc? Mais lol, quoi. Ils essaient de péter une porte comme ça, je suis désolé. Je crois pas qu'elle va se casser comme ça, hein. Ça a l'air d'être du lourd, hein. Et alors, je suis censé faire quoi? Dites-moi, c'est seulement ça qu'ils doivent faire? Eux, ils s'emmerdent avec des explosifs alors que tout ce qu'il faut faire, c'est activer les trucs. Oh là là. C'est des trisomiques, hein. Ah merde, on y va ou pas? Pas, attends. J'ai raté quelque chose? Par où on va? Je vais remonter ici, j'ai dû rater un truc. Bah non. Je comprends pas. Il y a un petit problème là. Bon, c'est pas par là, mais je la prends quand même. Mais c'est pas ça, quoi. On a un petit souci technique. À moins que... Voilà, c'est bon. Quel con. Bah putain, un humain qui a fait ça, waouh. Franchement, joli, hein. Maintenant, avançons vers l'inconnu. Tiens. Ok. Attends, toi, tu saoules, toi. Si un humain a construit tout ça, pourquoi y a-t-il des gardiens ici? Ben, je sais pas. L'humain a dû trouver le moyen de les contrôler. J'en ai pas besoin de ton troisième. Voilà la clé et la porte.
Lorsque la clé aura servi et que la porte sera ouverte, les montagnes s'élèveront plus haut que les nuages. Ha ! Et la face de la Terre sera changée à jamais. Hé, hey, c'est quoi ce charabia ? Intéressant. Et alors, je suis censé faire quoi ? Ok. Oh, bande d'enfoirés. Pas très bien là. Ah ouais, ok. Ah ouais. S'ennuie pas. Faut que je fais les trous en passant par le labyrinthe. Ça, c'est assez chaud par contre. Ah ouais, 1, 2, et le troisième il est où? Bah ouais, voilà, le problème il en manque un. Ah, il est là. Ouah, chaud. Allons, on fonce, on va essayer. Et 3. De la lave ? Oh, je m'attendais pas à ça. Sans doute un volcan inactif. Par là. J'aimerais grandir si possible, ça serait bien. Je tout liquide en 3 secondes, tu sais. Oh, ils font chier, bordel. Tiens.
a de la compagnie. Ouais, j'avoue, c'est plus facile. Il faut se dépêcher. La clé ne doit pas tomber entre leurs mains. Personne ne pourra toucher la clé à part moi. Personne, vous m'entendez? Waouh! Ils m'ont niqué tous mes lingots. Enfin, tous mes Legos. Ça fait même bugger. Waouh, j'en ai besoin d'urgence là. N'empêche, le trajet il est long, hein. Waouh. La clé, c'est plus protégé qu'elle est. Vous êtes tenace, docteur, je dois le reconnaître. Victor. Et il a des amis prêts à lui venir en aide. Je crois que nous en sommes à 2-1. On continue la partie? Nous pourrions continuer longtemps. Non. C'est la dernière bataille, nous y sommes préparés. Si ces robots ne t'anéantissent pas, alors ceci le fera. C'est une sorte de relique empoisonnée. Elle perturbe l'énergie arcanique qui relie les parties de ton corps. Nous ne savons pas vraiment comment ça fonctionne. Mais il n'est pas nécessaire de comprendre une chose pour la détruire. Dans le tunnel. Merci, Nak. Cette fois, il n'est pas question d'échouer. D'abord, apporte-moi la clé. Ensuite, détruis Nak. Ok, ils ont trouvé un moyen de me détruire. Ça devrait ralentir Victor. Intéressant. Intéressant, mais ça fait peur à la fois. Ah, merde. Ça sert pas à grand chose quand tu regardes les cartes, hein. Putain. Je sais même pas si ça nous fait gagner des trucs. Énervant. T'es sérieux là, putain? Nickel. La clé est devant moi. C'est la clé. On a devancé Victor. Nak, tu crois que tu peux sauter aussi loin? Ouais, ça devrait aller. Quand on aura ouvert la porte, avec précaution bien sûr, je pourrai enfin percer les secrets du monde. Quand on aura ouvert la porte? Docteur, vous avez pourtant lu l'avertissement inscrit sur la fresque. Tu n'as aucune idée de ce que cette clé peut représenter. C'est un vrai trésor pour la science. Oh si, je vois bien.
Elle représente la fin du monde tel que nous le connaissons. Nous devons détruire cette clé. C'est insensé! Nak, apporte-la-moi. Ok. Lucas, écarte-toi de là. Non! L'inscription disait immense danger. Ça ne vous suffit pas! Hé, hey, le docteur réfléchit. Moi, j'exécute. Sauf que le docteur nous a fait capturer et a failli entraîner ta destruction. Dis-moi, Nak, est-ce que tout ça te paraît raisonnable? Pas vraiment. Alors c'est ce que je disais. Même si c'est de la folie furieuse, personne n'essaie jamais d'arrêter le grand docteur. Docteur, Lucas a raison. Oh! Vous vous mettez à deux contre moi, alors? Docteur, il vaudrait mieux laisser tomber. Vous aussi, Ryder? Vous m'avez demandé de vous empêcher de faire une chose insensée. Il y a une semaine, on ne savait rien de ces reliques géantes, et tout allait bien. Mais en ouvrant cette porte, ou si vous laissez Victor l'ouvrir, nous verrons ce que signifie la grande transformation. Je crains le pire. Vous avez raison. Détruisons-la. Nak, il faut que tu détruises cette clé avant que Victor mette la main dessus. Elle est trop dangereuse. Arrière, vite. Je m'occupe de Katrina. On va se la faire, tu vois. Bon alors, très bonne nouvelle. Malheureusement, le docteur avait perdu la tête à un moment. Et voulait la clé à lui tout seul. Pour... Voilà, hein. Voilà, il voulait vraiment tout. Là, il a enfin ouvert les yeux et il a remarqué qu'il fallait mieux la détruire que la... Bah que la garder quoi. Comme vous avez pu l'entendre. Alors notre mission est d'aller la détruire, sauf que malheureusement elle l'a pris. Bon, c'est assez loin quand même. J'aimerais bien grandir, ça pourrait m'aider. Allez, j'arrive! Cet éboulement vous a déplu. Donnez-moi la grosse clé, voulez-vous? Oh, cette clé-là, je ne préfère pas, non? Prends donc ça à la place. Oh putain, c'est pas vrai. Putain, je suis en train de mourir. Oh, ils m'ont dégagé un passage. À plus tard, si tu survives. Je ne vais pas tenir le coup longtemps. Je dois trouver d'autres reliques avant d'être réduit à néant. Mmh.
Ça va, on en perd un tous les je sais pas combien. Score raisonnable, je trouve. Merde, hein, j'ai pas eu le temps de lire. Tiens! Laissez-moi passer, ma vie est en danger! Putain, on perd beaucoup de vie quand même. Le mec il marche tranquille. Cette clé est à nous. Nickel. Alors bon, je suis toujours en train de mourir, mais c'est pas grave. Ah ouais, quand je perds des dégâts par un mec qui me tire dessus, là c'est la merde par contre pour se remettre. Tiens. Nak, tu dois récupérer la clé. Qui sait ce qui arrivera s'il l'utilise? Voilà, ben mes amis, on a eu une petite coupure. Alors dans un côté, ça va conclure la fin de cet épisode. Alors je mets de pause parce que je suis en train de perdre de la vie à cause du fameux poison. J'espère en tout cas que cet épisode vous a plu. Malheureusement Knack a eu une... Voilà, il a été empoisonné. On va être plutôt dans la merde je pense dans les prochains épisodes. Sauf si bien sûr il arrive à guérir. Mais j'espère que l'épisode 8 vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, la commenter. Et bien sûr visiter ma chaîne récemment pour les prochains épisodes de Knack. Et les prochaines vidéos qui arriveront sur ma chaîne sur la PS4 et sur la Xbox One. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Et salut tout le monde.